Ouais. Moi, j'entends les chevalins dans ma tête. Je les entends quand je prie. Hein? Ils disent quoi? Ils disent... Chuto, Chuto, m'entends-tu? Et ben, moi, je dis ouais, mais eux, c'est comme si ils m'entendaient pas. Oh, quelle merveille, t'entends ça, chérie? Chuto, entends-tu? Arrête de rire. En tout cas, tu me rappelles moi quand j'étais petit, Chuto. Tu sais, je devais avoir ton âge. J'étais en train d'aider mon père à nettoyer le sol de la maison. Bah, soudain, j'ai entendu un truc dans ma tête. Une voix. Bah, j'ai regardé autour de moi, mais papa nettoyait les toilettes. Hein. Et alors la voix me dit, Brunu, m'entends-tu? Viens dehors, Brunu. Alors je suis sorti, et devant la porte, devine ce qu'il y avait. Je sais pas. Un petit cheval. C'est lui qui te parlait. On a les cœurs purs dans la famille. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Maman, pourquoi on doit se le farcir à la maison toute la journée? Parce que c'est la famille. Puis on a récupéré l'argenterie de leur maison. Ah bah encore heureux. Fais attention, toi! C'est encore patouillé. Et...